fait une petite vidéo avec Justine pour vous présenter nos 5 objets préférés dans le monde de l'équitation. Donc on va vous présenter tout ça et voilà. Donc moi mon premier objet que j'ai choisi c'est du coup mon Nicole éthologique, il est orange. Je l'avais acheté au salon du cheval de Lens, Du coup j'avais fait une grande longue en fait, elle devait faire 4 mètres à peu près, 3,80 m, ou je sais plus trop. En fait le reste de corde qui me restait parce que j'avais fait des colliers de montre, et donc voilà. Mon objet préféré c'est mon tapis, donc c'est un tapis de dressage que j'ai eu en même temps que ma salle de dressage, donc il vient de PAD. Donc c'est un tapis bordeaux avec un liseré doré, donc je l'adore, il va super bien à Arabesque je trouve. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris aussi chez Saprice Touche un bonnet de cette couleur là pour aller avec mon ensemble de dressage. Voilà. Donc le deuxième objet que j'ai choisi c'est le masque anti-mouche pour Philo. Donc j'avais acheté ça quand il a commencé à faire beau. Et du coup c'est hyper pratique parce que du coup il est plus du tout embêté par les mouches. Je l'ai pris en taille pour les poneys 140 à 160. Alors à la base je trouvais ça hyper grand et puis finalement ça lui va super bien. Et voilà. Donc mon deuxième indispensable qui se trouve dans ma salerie, c'est donc mon stick. Donc c'est un truc que j'utilise le plus, que ce soit en travail à pied ou en dressage. Donc c'est vraiment pour moi d'une grande utilité. Du coup mon troisième indispensable ou mon favori, c'est ce frontal turquoise qui vient de notre partenaire dans Saprice Touche. J'aime vraiment bien la couleur et tout, et en fait ils sont vraiment sympas. À l'intérieur c'est un peu doux, du coup c'est vrai que ça n'aime pas du tout au niveau du front dessus, du coup voilà. Donc moi aussi je vous présente un petit frontal de chez Saprice Touche, donc c'est le frontal cristallin, donc là il est bleu et j'adore parce que c'est un bleu électrique, donc il brille vraiment hyper fort et tout, et donc ça fait super beau sur un vin. Voilà. Donc mon quatrième favori c'est l'arrêt à joint, donc normalement c'est pour bricolage. Moi je m'en sers lors de la mue et c'est vraiment une bonne alternative au stripper. Tant que ça va comme ça, ça coûte 3€ la stripper, c'est plutôt moins 70€. Donc voilà. Donc voilà, je vous présente mon petit col en cuir, donc avec le petit nom d'Arabesque juste ici. Donc je l'ai acheté au salon du cheval l'année dernière. Donc malheureusement, Arabesque a réussi à le casser, donc il manque un petit anneau ici. Donc il faut que je le répare, mais je l'adore, je trouve que ça fait super classe sur elle. Donc voilà. Cinquième favori, c'est mon sac HB Polo, donc que vous avez vu dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, le soir. Et donc, je l'emmène vraiment partout quand je vais chez Nico et des trucs comme ça, par exemple, c'est super pratique. Voilà. Donc, le meilleur pour la fin, donc, je vous présente mes bottes. Donc, c'est des bottes que j'ai eues aussi au salon l'année dernière. Donc bah là, je les ai pas mises, ça fait un peu moche, mais en vrai, il y a le lacet qui remonte jusqu'en haut en petit croisé, ça fait super joli. Donc c'est mon rêve d'avoir des bottes avec des lacets et j'ai galéré à les trouver. J'ai fait chier bien mes copines pour le salon à absolument vouloir ces bottes-là. Et pour l'essayage aussi, parce que j'ai longtemps hésité entre noir et marron, et au final, c'était celle-là les plus belles. Même si les noires étaient top aussi. Mais malheureusement, je pouvais pas repartir avec les deux paires, donc voilà. Mon cœur a balancé pour ces magnifiques bottes d'or. Donc voilà, la petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la tête de Céline. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Salut!